Yo les gens, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va très bien. Aujourd'hui on se trouve pour un nouvel épisode sur Assassin's Creed Valhalla, où on va tout simplement devoir débloquer le chemin pour qu'une meuf en fait fasse son commerce, tout simplement. Au fil des flots. On ne peut pas encore naviguer à la voile. J'ai envie d'une chanson. C'est parti les gars, profitez de la musique. Hissez la voile. C'est loin ou pas? Ouais, bon. Redoublez de prudence par ici. Tu peux me dire ce que tu cherches à faire? Allez, c'est parti. Il est bien trop tard. Hop là, ça c'est fait. On va tout détruire. Ah.
Allez, on va aller voir ça. Je vais revenir plus tard. Va voir, Sénine. Et voilà. Te voilà vengé, mon ami.
Allez, larguons les hommes. Impossible de hisser la voile ici. Qu'est-ce qui se passe ici? Hissez la toile. Qu'est-ce que nous avons? C'est clair! C'est clair! La voile! C'est clair! Le bouton du vent! Allez hop. Qu'est-ce qui t'amène ici? Vagn et son équipage se disent pilleurs de grands trésors. Ils aimeraient rejoindre Ravensthorpe. Ouais. Nous ne demandons que travail et loyauté à ceux qui veulent nous rejoindre. Ni argent, ni or. Mais on ne refuserait pas pour autant. Ravi de te rencontrer, Ivor. Et Ravensthorpe y gagnerait bien plus que des métaux précieux. Nous n'avons pas grande allure, mais nous connaissons des lieux secrets des côtes d'Angleterre où nous pourrions trouver des choses qui rapporteraient gros à cette colonie. Tu veux nous en faire profiter? Pourquoi? Quand il y a trop de victuailles sur la table, on les partage avec des amis. Nous cherchons des amis avec qui festoyer. Laisse-moi te montrer. Je vais t'emmener mener une attaque dès que notre navire sera réparé. J'apprécie ta proposition. Et je l'accepte. Ben oui, frère. Alors, que penses-tu de nos quais? Ah, vos quais sont dignes de notre navire. Quand tu seras prêt à partir, passe me voir. Ok. Amarrez le navire ici. Allez. Nice. Sois mes yeux, Zinine. Ah bah ouais, mais je la trouve plus l'autre, elle est où? Elle est où l'autre? 100 mètres. Bah let's go. Hey Ivor. Elle est partie où à 100 mètres, elle? Elle est là-bas. Référence à Midelou. À la cicatrice que j'ai sur le cou. Hein? Dans ce cas, mon nom viking serait Hazard n'a qu'un œil. Merci, n'a qu'un œil. Mes hommes aideront à construire ton comptoir marchand. Je te suis donc doublement redevable. Et si jamais tu changes d'avis pour l'Irlande, tu me trouveras au comptoir marchand. Une fois achevé. Oh, et j'ai trouvé ta lettre. La voici. C'est quoi la lettre? Ah là, ça m'intrigue. Bonjour cousin Ivor, j'espère que ce courrier sera une bonne surprise. Cela fait des années que nous nous sommes vus. On m'a dit que tu étais aujourd'hui du même côté de la mer du Nord que moi. Ah, c'est mon cousin. On m'a dit que tu étais toujours du même côté de la mer du Nord que moi. Tu as sûrement beaucoup faire. Mais pourrions-nous nous revoir? Ça va me permettre aussi à tes gens du Nord de commercer davantage. Hazard étant les marchés de Dublin. Bien, je me fais une joie de te revoir, ton cousin Barid. Mon cousin Barid est vivant. Et roi de Dublin. Les Narnir. Les Narnir me surprendront toujours. De ouf. Déjà, je vais mettre tes compétences. Voilà.
ensuite. On va aller le voir. Eivor, es-tu prêt à te rendre en Irlande? Hasard, tu ne m'as pas dit que ce roi était mon cousin. C'était plus amusant ainsi, non? Un peu de mystère, tout ça. Je préfère connaître le fond des choses, mais c'est une agréable surprise. Il a hâte de te voir. Nous prenons la mer? Ouais, non, je ne suis pas encore prêt à faire ce voyage. Alors j'attendrai. Ah, il déboule le loup quand même. Hein. Tout doux le loup. Tout doux le loup. Et 600 mètres. Ils ont franchi les murs. Il faut que je trouve Gilbert. Avec moi, mon frère. Contournez. Qu'est-ce qui va se passer là? Qu'est-ce qui va se passer? Tu as vu Gilbert? Ce doit être Gilbert. Rien d'autre. Ce doit être Gilbert. Rien d'autre n'a de valeur dans ce coin. What? Crève! Dieu te maudisse! What? Je vais triper ton cadavre! Tu vas crever. Faut contourner cette charogne. Suivez-moi. Écartez-vous, on va y arriver. Ok. Allez, j'ai réglé le problème, ça y est. Avec moi. Ça lâche.
pire qu'une mule boiteuse. Que Dieu te foudroie. Allez. C'est l'heure de prier. Je te tiens. Méfiez-vous de ces pieds. Tu appartiens à Odin. Allez hop, ça dégage. Les vers vont te dévorer. Guide-moi, Sénine. Ah ouais, tout là-bas, putain, il est loin d'où. Allez, 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 allez. Allez, hop. Montre-moi ces terres, mon ami. Je pense que ça doit être là-bas, mais je suis pas sûr. Tjolbert, il est en danger. Je ne reculerai pas, Léofrid. Pas question. Tu fais une... Ah, je t'en prie. Rien ne t'y oblige. Léofrid, laisse-le. C'est à moi que tu rendais compte. Je ne rendais compte qu'à mon roi. Les Danois, je les fais taire avec ça. Pose ça, Léofrid. Tu n'as plus de raison de combattre. Nous tenons Repton. Ce n'est plus qu'une question de temps. Jamais je ne ferai cela. Alors tu vas mourir. Quelqu'un mourra, oui. Ok. Tu ne peux pas gagner, Léofrid. Même si tu me bats, les Ragnarsson auront la victoire. J'ai déjà affronté beaucoup de Danois. Et je suis toujours là. Ah.
toi, tu vas souffrir. Je vais te... Prends ça. C'est quoi, là? Tu faiblis. Tu es déterminé. Leurs crèdes avaient beaucoup de chance. Il est de mon devoir de vous éloigner de la Mercy. Et je mourrai avant de me rendre. Quel effet cela fait donc? Pas mal, vermine. C'est fini maintenant. Pas encore. Affronte-moi, païen. Tu ne peux pas gagner. Mais voilà. Très bien. Finissons-en. Tu n'invoques pas ton dieu, ni ton roi. J'ai fait serment de défendre Burgred jusqu'à la mort. J'ai combattu et j'ai perdu. Nous connaissons la suite. Un Thane honorable menant une guerre déshonorante. Burgred l'a abandonné, a trahi sa confiance. Si j'étais Léofrith, j'aimerais savoir. Pourquoi le priver de sa dernière gloire? Il est prêt à rencontrer son dieu et à baigner dans sa lumière. Vivre ne lui apporterait que la honte. Il renoncerait à son serment s'il connaissait la vérité. Alors choisis. La vérité ou la gloire. Waouh. La vérité ou la gloire. Je choisirais quoi entre les deux, toi, Byakko? Byakko? Allô? 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 Ouais. Ah, depuis... En fait, je parlais pendant 30 minutes... pour rien. Nice. Super. Du coup, je disais, entre la gloire et la vérité, je choisirais quoi? Ouais, c'est... Bon, je t'explique le topo. Il y a un mec qui s'appelle Léofrith. C'est un combattant des de la Mercy. En gros, des Anglais, quoi. Il est très, 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 très fort. Vraiment très, très, très fort. Du coup, je me suis combattu avec lui. Sauf que lui, en fait, tu vois, c'est un homme noble. Il est noble, tu vois, genre, il défoue un roi merdique, en gros. Bon, le roi, on l'a déglingué, du coup, il est plus roi, du coup. Mais il a dit qu'il les défendrait jusqu'à la mort. Et donc là, il y a Odin qui est venu à côté de nous et qui nous a dit, vaut mieux qu'il meure, tu vois. Et qu'il rejoint son dieu, qu'il reste ici avec la honte, tu vois, sur terre, quoi. Et donc, nous, on a un choix, soit la gloire, donc le tuer, et puis qu'il rejoint son dieu, quoi. Ou la vérité, on l'épargne et qu'on lui montre qu'en gros son roi c'est un roi merdique. Tu choisirais quoi? Un peu. Et soit on l'épargne et il rejoint son dieu. Si on le tue, il rejoint son dieu. Il meurt. Okay. Quoi. Il rejoint son dieu quoi. Mmh. Il meurt et il rejoint la lumière quoi en gros. Ouais. Mais si on l'épargne, on peut lui montrer la vérité. On peut l'épargner. Puis finalement c'est lui qui va tuer son roi. Vas-y, on va voir. Hein. Vas-y, on l'épargne. Allez. Il va rendre ça à l'enfoiré qu'il va le tuer. J'espère juste qu'il va pas nous enculer plus tard, quoi. Ouais, je suis en train de checker des petits lives sur Anneau, puis ouais, tout le monde a des belles idées. Ouais. Ouais, j'ai l'impression que je recherche juste des idées de merde. Mais comment ils font, merde? Je sais pas. Tu sais, je paye une bâtisse, ça me coûte 10 000 employés. Ouais. Peut-être pas un mec qu'on a pas bien mis. Vie pour te battre un autre jour. Comment?
Ta loyauté envers Burgred est totalement injustifiée. Il a abdiqué et a fui pour Rome. Il n'est plus là. Tu mens. Mentir à un homme sur le point de mourir, quel serait mon intérêt? Il n'a pensé qu'à sa propre peau et t'a laissé mourir. Tous ces combats n'ont servi à rien, ni à personne. Trahir quelqu'un de si proche et de si dévoué, c'est un déshonneur. C'est un déshonneur qui mérite 1000 morts. Eivor, tu as fait preuve d'une grande bonté. Ce n'est que justice que j'en fasse autant. À Venonis, il y a une statue avec un rouleau dans un récipient. Tu dois le brûler. Un rouleau ? Ton nom est inscrit dessus. Je l'ai laissé là-bas à la demande de Burgred. Lorsqu'ils le trouveront, les Zélotes se lanceront sur tes traces. Qui sont-ils ? Pour l'instant, peu importe. Le temps t'est compté. Brûle ce rouleau ou ils ne te laisseront jamais en paix. Où vas-tu aller maintenant ? À Rome. Viens, il est temps de rentrer. Doucement, tu es blessé. Je vais bien, crois-moi. Simplement, quelques bleus et les entailles du combat, voilà tout. Ces blessures guériront vite. Tu as eu de la chance. Allez. Je me suis jeté sur lui, Eivor. On a bien fait de ne pas le tuer. Il s'est contenté de jouer avec moi. Il savait que je ne pouvais rien lui faire. Il nous a indiqué qu'en gros... Cheolbert, ce combat n'était pas le tien. Si. C'était notre combat. Le tien, le mien, celui de mon père. Je devais y prendre part. Et tu l'as fait, en faisant preuve de bravoure, de vaillance. En gros... Tu n'es plus un enfant, désormais. En gros, il nous a montré... il nous a dit que comme quoi il y avait un rouleau... Là-bas, avec Léofrite. Où il y avait notre nom. Je pensais pas que tu l'épargnerais. Je vais aller voir ce... Croyait que son roi mourrait pour défendre la Mercy. Il sait la vérité, maintenant. Et fort de cette vérité, il se forge une autre voie. Tu avais raison à son sujet, Cheolbert. Et raison de penser que la ligne qui nous sépare est plus fine qu'il n'y paraît. Tiens. Cheolbert ! Regarde-toi, couvert de sang et de gloire. Continue à te montrer aussi brave, et tu finiras chef de clan. Rien de moins que le roi de Mercy, mon frère. Un de ces jours. Et que pense mon père de son nouveau rôle? Vois par toi-même. Tu es un Odlinger, désormais. Ou Atling, comme tu le dirais. L'héritier du trône. C'est un titre très honorable qui exige de bien raisonner. De savoir à qui accorder sa confiance. Mon fils, tout va bien ? Oui, père. Je vais bien. Il t'a fait honneur aujourd'hui. Il a affronté avec courage de redoutables adversaires. Vous avez tous ma gratitude et ma bénédiction. Fais ce que tu dois. Ube et Ivar ont perdu beaucoup d'hommes dans cette guerre. Tu veux leur prouver ta gratitude ? Respecte ta part du marché. Bien sûr. Toute l'Angleterre saura bientôt que le royaume de Mercy a un nouveau roi, puissant qui plus est. Les autres royaumes d'Angleterre ne vont pas aimer ton mode d'accession au trône. Comme beaucoup de mes sujets, les soldats de Burgred vont nous tenir tête et fomenter quelques troubles, ça et là, en Mercy. Nous y remédierons rapidement. Je pars sans détour pour l'Oxenfordshire, afin d'y nouer des alliances avec plusieurs thanes. Veux-tu que je vienne ? Pas avant que j'en sache plus. Reste ici quelque temps si tu le peux. Renforce nos amitiés. Je ne tarderai pas à te faire appeler. Sigurd, je me sentirais mieux si Cheolbert s'éloignait, le temps que la Mercy retrouve le calme. Acceptes-tu de l'accueillir dans ton clan ? Est-ce que tu as un cheval, jeune Atling ? Oui, une solide monture appelée Théobald. Bien. Je peux t'accompagner jusqu'au fleuve Nenay. Ensuite, tu pourras trouver ton chemin. Merci, Sigurd. Je t'avoue que cela me rassure.
Sois prêt à répondre à mon appel, Eivor. Il viendra. Vous vous entendez, Sigurd et toi? L'avenir de l'Angleterre sera païen, de la racine à la feuille. Prends ceci, ami des loups, en gage d'amitié. Si tu le désires, les frères Ragnarsson répondront à ton appel. Tu me fais honneur, Ube. Tu as vu? Ce renard cherche à gagner ton cœur, mais on peut être deux à jouer à ce jeu-là. Comme c'est gentil à toi, Ivar. Je t'en prie. De ce chaos, notre amitié est le plus beau résultat. Peut-être Tjolbert aussi, cette petite brindille. Ravi de l'entendre. Et voilà. Je me demande comment ça va se passer pour la suite. Hein. Léofrid a dit que des gens me traquaient. Des zélotes. Si je ne fais rien, ils chercheront à me tuer. Il faut que j'aille à Venice. Mais d'abord, je vais aller voir c'est quoi ce rouleau. Il semble que le vent me ramène à Renvi. Autant lui annoncer la nouvelle. C'est bizarre. Il y a un truc que je comprends pas. C'est bizarre. C'est trop bizarre. C'est même bizarre de ouf. Wesh. Il doit y avoir un truc pour passer souterrainement, je crois. Si. Pas un truc pour passer en mode souterrain. Oh. Il doit y avoir un truc ici. C'est là. Le roi des roses soplités, je vois, nous appeler Rig. Reidarason, c'est-à-dire Rig, la sage suivante. Il est le fils de Reidarexon, aussi appelé Reidar le sage, qui posa. Et dans l'union.